Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast pour débutants en tricot, donc le troisième que je mets en ligne. Donc je me présente, je suis Elodie, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Les Petits Tricots d'Elo sur Facebook, sur Instagram et sur le pseudo Tricot Elo sur Ravelry. Donc pour commencer, je voulais vous dire que ça faisait un petit moment que je n'avais pas mis de podcast en ligne car j'ai eu quelques petits problèmes de santé, donc j'ai préféré me soigner. Mais me voilà de retour pour ce beau podcast tricot qui j'espère vous plaira. Donc pour commencer, je vais vous faire un peu de blabla, puis je vous parlerai de mon projet tricot qui est terminé et de mes futurs projets que j'ai à cœur d'essayer de tricoter. Donc le blabla. Donc je participe à deux swaps donc sur Ravelry, le swap des podcasteuses. Donc le principe, c'est on offre des cadeaux à une podcasteuse, donc une personne qui met des podcasts sur YouTube, et cette personne ne connaît pas la personne qui lui envoie le colis. Donc dans ce colis, il faut normalement qu'on mette soit donc des petits suivant ce que la swapée réalise, si c'est de la couture, des petits trucs pour faire de la couture, ou si c'est du tricot, de la laine ou des aiguilles, voilà, suivant ce qu'elle fait, ce qu'elle réalise comme projet, si c'est des projets tricot ou couture ou crochet, suivant ce qu'elle réalise, on lui met quelques petits trucs pour réaliser ses projets. Il faut aussi mettre un peu de gourmandise, parce qu'un swap, il y a toujours de la gourmandise, des petits gâteaux, des petits bonbons, et un petit truc fait main, donc que je dois réaliser. Donc, si jamais cette personne a mon nom et qu'elle vient à regarder mon podcast, elle s'inquiète pas, moi je suis pas compliquée, tout me fera plaisir et je serai super contente de recevoir mon petit colis. Donc moi j'ai quelques idées, il faut que je les mette en place pour pouvoir réaliser ce swap. Je participe aussi à un deuxième swap sur Ravelry, c'est le swap 2000 en 2016. Donc là, on connaît le nom de la personne à qui on doit envoyer le colis. Donc moi, c'est Delphine, qui est sous le pseudo Kawafine sur Ravelry. Donc, on a un peu discuté toutes les deux. Et soit on envoie de la gourmandise, soit comme elle aime bien tricoter, faire la couture, des petites choses pour réaliser ses projets en couture ou en tricot, suivant ce que la personne désire. Donc voilà, donc c'est en cours de réalisation aussi. Et on a jusqu'à fin mai pour réaliser ces deux soins. Donc je voulais vous parler aussi des concours auxquels j'ai participé. Donc j'ai participé à un concours organisé par Cocotte-Knit sur Instagram. Et j'ai été l'heureuse gagnante d'un beau lot. Donc je vais vous montrer ça, une belle pochette qu'elle a réalisée elle-même en couture, qu'elle a cousu main, avec un beau tissu, j'adore le tissu. Et dans cette pochette, Cocotte-Knit m'a mis de la belle laine, venant de Londres, c'est de la Soka. Un super wash merino wool, 20% nylon, et elle s'appelle With the Fleur. Donc elle est super, elle est multicolore, et un peu de rose, de bleu, de vert, je ne sais pas si vous voyez, de violet, de rose, de rouge, d'orange, elle est magnifique, j'adore.
Voilà, donc je voulais la remercier pour ce beau colis qu'elle m'a offert. J'ai aussi participé à un autre concours sur Instagram pour gagner des places, des entrées pour le salon le printemps du Do It Yourself qui se trouve et qui se déroulera à Paris du 5 au 8 mai 2016. Donc j'ai été l'heureuse gagnante de deux entrées, donc je suis super contente. Ce concours est organisé par La Tête dans les Idées. Donc je la remercie aussi de m'avoir tirée au sort. Je suis super contente d'avoir gagné ces places, donc j'espère pouvoir y aller si ma santé le permet. Un autre concours auquel j'ai participé sur Facebook, de la Mercerie Adorée, et là j'ai gagné un nuage en DIY. Comme ça. Ce beau nuage va aller au-dessus de mon bureau, de mon petit coin couture tricot. J'adore, il est magnifique. Donc je voulais les remercier aussi pour ce beau, de m'avoir tiré au sort et pour ce beau petit nuage. J'ai aussi participé à un autre concours, donc sur Facebook. Bon là, j'ai pas encore reçu le lot, mais j'ai gagné un livre de couture. Je suis super contente. C'est incroyable, à chaque fois, je gagne pas mal de petites choses, donc je suis super contente. Je voulais remercier toutes ces personnes. Je voulais aussi vous parler maintenant de mon projet tricot terminé. Bon, il n'y en a qu'un, parce que je suis un peu longue en tricot. C'est mon gilet manche trois quarts au point mousse. Donc je vais vous le montrer, je vais le mettre. J'espère que vous allez le voir. Donc voilà. Manche trois quarts réalisé au point mousse. Je sais pas si vous voyez, mais sur le devant, là, il est un peu loin. Il y a des petites poches de chaque côté. Voilà, donc il est réalisé au point mousse. C'est plus un gilet pour mettre à l'extérieur. Voilà, mais je suis super contente du résultat. C'est mon premier tricot terminé, mon premier gros projet de tricot. Voilà, donc. Je suis super contente du résultat et. Vous pouvez retrouver un article complet sur mon blog, Les petits tricots des lots. Sur mon blog, avec les explications de ce modèle que j'ai réalisé. Comme je vous avais dit auparavant dans mes autres podcasts, dans les premiers, je vais vous montrer le petit livret qui m'a servi à réaliser ce beau modèle. Donc, le livret fil d'art numéro 603 et collection automne-hiver 2015-2016. Et vous pouvez retrouver le modèle à la page 24. Donc, c'est ce beau modèle que j'ai réalisé au point mousse avec des aiguilles. Taille des aiguilles numéro 7. Je suis contente du résultat, je suis très fière de moi. Car c'est mon premier gros ouvrage en tricot que j'ai réalisé. Je suis ravie. Suis ravie et
Vous pouvez retrouver tout ça sur mon blog, Les Petits Tricots des Loups. Concernant mes tricots en cours, j'ai commencé un petit gilet pour mon fils. J'ai eu pas mal de petits soucis au début concernant la taille sur le patron et les aiguilles à utiliser. Parce qu'en fait, par rapport à mon... J'ai fait un échantillon au début, et l'échantillon ne correspondait pas du tout à ce que disait le modèle. Donc j'ai dû tout défaire, tout recommencer. Et finalement, j'ai réussi à trouver la taille. Je vais vous montrer après le modèle. Je fais un gilet, c'est toujours au pamplemousse. Et c'est pour mon fils qui a 6 ans et demi. Finalement, je fais la taille par rapport en me basant par rapport à ses dimensions à lui et aux dimensions du patron en centimètres plutôt que par rapport à la taille 4 ans ou 6 ans. Voilà, je fais entre le 4 ans et le 6 ans. J'avais commencé à tricoter ce modèle avec des aiguilles normales. Et puis finalement, à un moment donné, il fallait augmenter et il fallait augmenter pour avoir 165 mailles à peu près. Et du coup, ça rentrait pas sur mes aiguilles. Ma maman m'a dit, pourquoi t'essayes pas de mettre ton ouvrage sur des aiguilles circulaires? Comme ça, tu pourras mieux voir le résultat et au moins tu auras de la place pour tricoter, tu ne seras pas serré et tu pourras le faire essayer sur ton fils pour voir ce que ça rend. Et finalement, je suis vraiment contente d'avoir essayé et je pense que je vais continuer à tricoter avec des aiguilles circulaires, c'est vraiment pratique. Et puis en plus, c'est des belles aiguilles qu'elle m'a prêtées, en bois, qui sont très faciles à manier, pas du tout lourdes, très légères. Je vais vous parler du modèle. Le modèle, je l'ai trouvé sur ce petit catalogue, Fil d'Art, numéro 598, collection automne 2015. Spécialement des gilets pour les 2-16 ans, donc les enfants. Celui que je réalise, c'est celui-là. Le gilet bleu. Ici. Le gilet bleu, tout en point mousse, avec des aiguilles 5. Et les explications sont à la page 13. C'est ça. Avec les patrons. Voilà, c'est un beau petit catalogue avec pas mal de petits modèles pour les enfants. Super, super agréable. Moi, j'ai choisi d'utiliser de la laine Katia. Je vais vous montrer de la laine Katia bleu marine. Je sais pas si on le voit. C'est de la Katia Maxi Merino, qui se tricote en 5,5-6. Bon, moi je la tricote en 5. C'est couleur bleu marine. Voilà, tricot au point mousse. Je vais vous montrer où j'en suis. Là actuellement, je suis en train de finir le dos. Je ne sais pas si vous allez voir.
Bon, il y a des fils, parce qu'il faut que je rentre les fils après à la fin. Et je suis en train de monter le dos avec les débuts des manches. Voilà, donc comme vous pouvez voir avec les réduits circulaires. Donc je me base sur la taille 4 ans, mais par rapport aux dimensions, je fais entre 4 ans et 6 ans. Voilà. Voilà, donc là il faut que je finisse le dos. J'ai presque fini le dos et après il y aura à monter les demi devant droit et gauche. Donc en taille 4 ans, en bleu marine, au point mousse encore. Il va falloir que j'essaye le point après. Je suis pas trop. La laine est super agréable à tricoter, je suis super content. De la belle laine. Voilà. Donc mon fils est super content d'avoir un petit gilet tricoté par sa maman. Voilà, donc après je vais vous parler de mes futurs projets. Donc je me suis inscrite sur le groupe de Candy Wood. Candy Wool. Candy Wool. Candy Wool sur Ravelry pour réaliser un beau châle. Le châle Alexane, donc c'est un cal où on est plusieurs à s'inscrire et on réalise en même temps le châle. Bon, moi j'ai pas encore commencé. On a jusqu'au 15 juillet pour tricoter ce beau châle. Pour tricoter ce beau châle. Donc j'ai eu de la belle laine. Je vais vous montrer que je vais utiliser pour tricoter ce châle. Donc, la laine Candy Wool. Couleur perle de violette, 80% alpaga, 20% yenos, donc 400 mètres, pour tricoter avec des aiguilles 3-4. Je ne sais pas si vous voyez le coloris, elle est magnifique. J'adore cette couleur, je pense que le châle va être splendide. Donc une belle laine, voilà. Et avec, elle m'a mis un petit ponchon. Donc tout ça vient de Candy Wool. Un petit ponchon. Avec son petit badge. De Candy Wool. Une petite carte avec un anneau marqueur. J'adore. Voilà, donc je voulais la remercier aussi. Pour cette belle laine, j'adore. Elle est toute douce. Il va être magnifique mon chat. Bon, j'espère arriver à le tricoter, ce beau châle, parce que j'ai jamais réalisé de châle encore. Donc là, il y a ma maman qui va essayer de le tester pour voir et qui me dira s'il est compliqué ou pas compliqué du tout à réaliser, à tricoter. Donc on va voir. Je suis plutôt contente de me lancer dans ce beau projet et j'espère, de toute façon, on est plusieurs à le tricoter en même temps. Donc je me dis qu'il y aura toujours quelqu'un pour m'aider si jamais j'arrive pas à le faire. Donc ensuite j'ai un deuxième projet tricot, ça serait de faire un pull pour mon deuxième fils qui justement, je voulais passer un petit message, je voulais lui citer encore un joyeux anniversaire, il a eu 2 ans hier. Voilà, donc le temps passe vite. Donc j'ai acheté récemment un livre fil d'art, celui-là. C'est le livre numéro 131, printemps-été 2016, spécial enfant de 16 ans, avec des beaux modèles, des pulls, des gilets. Donc je me dis que je vais peut-être tricoter celui-là. Je vais vous montrer ce petit gilet gris là, en taille 2 ans. Voilà, donc on va voir. J'ai pas mal de petites laines dans mon stock, donc je piocherai dedans pour lui faire un beau petit gilet. Voilà, donc mais j'ai aussi ma couverture à faire puisque j'ai eu pas mal de restes de laine qu'on m'a envoyé par courrier. Donc je voulais remercier toutes les filles qui m'en avaient envoyé. Donc Adeline,
Il m'a envoyé pas mal de petits restes. Je vais vous montrer tout ça. Donc, il m'a envoyé un petit reste couleur marron, beige, rose. Après, un peu dans les tons verts. Un reste de laine noire. Prune. Donc tout ça pour faire des carrés, pour faire une jolie couverture. Et un autre dans les tons vert bleu. Voilà, donc je voulais la remercier beaucoup pour ces beaux restes de laine. J'ai une autre fille qui m'a envoyé aussi de la belle laine. C'est Lolotte 1409 sur Ravelry qui m'a envoyé. Bon, après, c'est de la laine un peu plus grosse. Donc, ce beau reste de laine. C'est de là. Elle s'appelle Charlotte. Puffin, reste de Puffin, donc dans les tons beige. Donc après à voir si c'est pas trop gros par rapport au reste de laine qu'on m'a passé. Donc, je ferai bien quelque chose avec. J'ai bien trouvé. Donc je voulais la remercier aussi. Et j'ai aussi une autre fille qui m'a envoyé. Bon, alors là, plein de restes. Je vais vous montrer ça. Alors là, c'est franchement super gentil de sa part. Donc, elle s'appelle Julie du podcast Keep Calm and Knit. Donc, elle m'a envoyé des petites balles comme ça de laine. Donc là, une rouge. Une verte. Bon, ça fait un peu bleu sur la caméra, mais c'est vert. Une rose. Voilà, j'ai de quoi faire des beaux carrés. Une rose pâle. Une verte kaki, une bleue, un beau bleu, j'adore ce bleu, une marron, un autre bleu un peu plus soutenu. Un rouge pétant. Donc un rouge, un autre rouge. De la laine blanche. Voici, avec tout ça, j'arrive pas à faire une belle couverture. Une violette. Une violette, une autre rose, deux bleus et une autre verte. Donc, elle m'a mis dedans les petits gâteaux. Et une petite surprise que je vais vous montrer. J'ai été très étonnée. Et je la remercie beaucoup pour toutes ces belles laines qui vont me servir. Que je commence ma couverture sans trop tarder. Donc, je tenais à la remercier. Et avec ce petit collier, elle m'avait glissé. Je vais vous montrer ça. Elles sont là. En plus, surprise, des aiguilles circulaires. 5,5. C'est vraiment gentil de sa part parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc je le remercie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
J'étais ravie. Donc, un grand merci à toutes ces filles qui m'ont donné toutes ces belles restes de laine. Et bah, si jamais vous voulez des restes, lorsque j'en aurai, je pourrai vous en envoyer. Donc, c'est sympa de faire des petits échanges comme ça sur Internet. Donc, n'hésitez pas. Et pareil, si vous en avez, vous pouvez m'en envoyer. Je suis ravie de recevoir ces petits colis à chaque fois. Donc, pour terminer, je voulais vous inviter à aller voir plusieurs podcasts que j'adore. Donc, celui de Mélina, le petit panda. Ils sont vraiment super, ces podcasts. Je vous invite à aller les regarder. Celui de Cocotte Knit aussi, ceux de Cocotte Knit, qui sont pas mal aussi. Ceux de Keep Calm and Knit, donc de Julie, qui m'a envoyé ses petits restes de laine. Les podcasts d'Aglaé Laser aussi sont super. J'adore les regarder. Ça me donne pas mal d'idées. Voilà, et puis, pour se détendre, c'est pas mal. Et ceux de Filles d'Hiver aussi. J'adore aussi regarder tous ces petits podcasts. Voilà, donc vous pouvez aller les voir et vous les retrouvez toutes sur Instagram aussi. Donc ce sont tous des podcasts qui m'inspirent et qui sont sympas à regarder. Voilà. Donc je tenais à vous remercier de me suivre nombreux et d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Et vous remercier aussi pour vos encouragements. Voilà, donc. Je vous souhaite plein de beaux projets tricot, plein de bonnes choses pour la suite. Et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye.